despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Hello there. Aujourd'hui, petit maquillage printemps. Même si ici en Australie on plonge dans l'hiver, il fait pas extrêmement froid, mais il fait pas aussi bon qu'en France. Je suis trop triste. Mais bon, j'espère que vous profitez bien des 35 degrés tous les jours. Donc j'ai voulu faire un petit maquillage. Enfin, c'est toujours dans les mêmes tons, un petit peu brique, orangé, pailleté et tout. J'aime trop ces couleurs. Mais là, je vais vous faire un petit dégradé en mode. Sunset, on voit pas, mais mon coin interne était rose tout à l'heure, mais là il est plus rose. Donc j'en rajoutais et je vais mettre ça en coin interne. Ça fait un petit pop de couleur rose parce que j'ai mis de l'highlighter par-dessus, du coup ça fait fondre le rose, mais j'aime trop. Donc j'espère que ça vous plaît. J'ai un glow de malade parce que j'ai utilisé. Pour la première fois, le Fix Plus sur un pinceau et mis mon highlighter là-dessus. Je le mets directement, je m'en fiche. Mais là, j'ai voulu vraiment. Vous voyez, beauté là. C'est trop mignon. Donc, si. On est cool. Si la vidéo t'intéresse et que le maquillage te plaît, tu peux regarder la suite de la vidéo. Et voilà, sans plus attendre, je te laisse avec la suite de la vidéo. Ce que je commence par faire, c'est appliquer ma petite lotion au concombre de Mario Badescu. Ensuite, je vais appliquer ma petite crème chouchou, c'est ma Bioderma C-Biome Pore Refiner. En fait, ça, sur le long terme, ça resserre les pores, en fait. Et j'ai vraiment ressenti ça, enfin, quand j'utilisais en France. Donc là, je l'ai réutilisé. Ensuite, j'hydrate ma peau avec ma brume d'eau de rose, que vous connaissez maintenant. Et je vais rebooster mon teint avec un petit sérum whitener de la marque je sais plus la marque, une marque coréenne, donc j'aime bien l'appuyer sur la peau pour que ça s'absorbe bien. Ensuite j'applique ma base comme d'habitude de chez Revlon sur les joues, j'évite encore une fois le nez, mon fond de teint mon fond de teint clean de chez CoverGirl que j'aime moyennement bien. J'aime surtout pas l'odeur en fait, mais la couleur elle matchait assez bien, donc j'ai utilisé ce jour là et j'ai l'enteinte 125 pour ceux que ça intéresse au cas où. J'estompe avec mon éponge préférée de Real Techniques et je viens camoufler mes cicatrices et mes petits boutons sur la joue avec le correcteur de chez Make Up For Ever en teint numéro 6. Et pour anti-cerner mes yeux, j'utilise le Shape Tape de Tarte en teinte Light Sand. Et je mets aussi au coin de la bouche où j'ai la peau, enfin la couleur est un peu plus foncée que autre part. Ensuite je fixe mon teint avec le fond de teint en poudre de Maybelline, le Super Stay Better Skin en teinte 30, sable. Et j'enferme mes sourcils comme d'habitude avec mon petit crayon Colourpop en teinte Black and Brown. Puis je fixe avec le mascara de chez Kiko en teinte numéro 5. Mascara sourcil, hein, je précise. On prime les paupières avec le soft ocre de chez MAC, on ne change pas. Et je vais prendre le petit bronzer de chez Tarte. Je me souviens plus de la teinte. Que je mets en bas sur toute ma paupière mobile. Et puis je viens prendre le blush, qui est un petit vieux rose hyper joli, que je mets au centre pour réchauffer un petit peu. Je le mets aussi en ras de cils, mais de toute façon je vais mettre plein de trucs par-dessus, donc on va pas le voir au final. Je crois que je reprends cette teinte, ouais. Non, je crois que j'ai pris un orange de ma palette caramel mélange de chez Zoeva. J'estompe, et je prends un petit pinceau plat, je prends le marron, et je le mets en ras de cils inférieur. Comme je vous ai dit, j'ajoute beaucoup de trucs. Ensuite, je prends un pinceau plat, je mets du MAC Fix Plus. Et je vais prendre un Colourpop, un Super Shock Shadow. C'est le Catlin Light, c'est un doré hyper joli, doré bronze. Et dans ma palette Zoeva, il y en a un peu plus foncé. Du coup, je l'ai mis en coin externe pour faire un petit dégradé. Ensuite, je mets du crayon dans ma muqueuse supérieure et ras de cils inférieur, coin externe.
J'estompe un petit peu pour donner un petit effet smoky. Avec un tout petit pinceau crayon. Ensuite, je viens faire mon trait de liner comme d'habitude. Je ne peux pas m'en passer. Ensuite, je viens reprendre ma palette Zoeva en prenant le marron et j'en rajoute encore un peu plus pour intensifier le ras de cils. Je repasse un petit peu sur le crayon noir là. Ensuite, je viens prendre le beige pour le mettre sous mes sourcils pour nettoyer un petit peu. Ensuite, je prends les fards roses de la palette Sweet Peach. J'ai oublié de le filmer. Mais c'est le Candied Peach. Et je le mets en coin interne. Je nettoie le fond de teint qui est sur mes lèvres parce que ça m'insupporte. Ensuite, je prends la brume de chez Sephora, la gamme Beauty Amplifier, avec la poudre. Mon combo favori pour fixer mon anti-cerne. Ça rend la peau smooth en fait. Les pores s'effacent. Ensuite, pour mon mascara, c'est le volume de Chanel en violet. Je sais pas pourquoi je voulais mettre un mascara coloré ce jour-là. Ratif supérieur et inférieur. Ensuite, bronzer. Je prends un pinceau plutôt spécial que j'aime trop parce que ça prend exactement la forme du creux de la joue. Et ça l'applique en trois coups d'œil. Et je l'estompe avec un grand pinceau éventail. Ensuite, je reprends le orange de ma palette Zoeva Caramel Mélange. Et là, je vais faire tout le ras de cils inférieur et je l'étire en suivant mon eyeliner en fait. Un crayon noir pour la muqueuse inférieure. Parce que je trouvais que ça faisait plus dramatique. C'était plus joli comme ça. Ensuite, des paillettes comme d'habitude. C'est toujours les mêmes, les bronzes. Je crois que c'était Bijoux Brunis, il me semble. De Revlon. Et j'en mets un petit peu sur la paupière mobile en coin externe. Et en dessous du fard orangé de Zoeva aussi. Ensuite, je reprends mon bronzer et je fais un petit contouring du nez. Parce que nez sans bridge, il y en a assez. Ensuite, je vais prendre mon blush de la palette Zoeva. Je crois que c'est le rose le plus pétant. Et je l'applique légèrement pour l'highlighter. L'highlighter, comme je vous ai dit dans l'intro, première fois que je mets du Fix Plus sur mon pinceau. Et le premier highlighter que je mets, pardon, c'est le High Beam. Non, le Beam of Light, pardon. High Beam, c'est Benefit. Beam of Light de Kiko en teinte 01. Et je rajoute par-dessus le fard Champagne Pop, il me semble, de BK. Et là, c'était... Oh my god, blinding. Ah. Mon highlighter ce jour-là était en flic. J'en pouvais plus. J'en rajoute en coin interne, mais du coup, ça efface un petit peu mon rose que j'ai remis. Par la suite. Et pour les lèvres, c'est le Trendsetter de Huda Beauty. Et je trouvais que c'était assez, comment dire, trop marronné. Du coup, j'ai ajouté un petit crayon rosé, vieux rose de Elizabeth Arden. J'ai pas les références, sorry. Et ensuite, je viens fixer avec ma brume de chez Australis à l'eau de rose. Et tout est devenu smooth, tout s'est transformé en peau, il n'y a plus eu d'effet poudre et c'était parfait. Petite pause cheveux en bataille. Voilà le look final. Si t'aimes bien, t'aimes bien, t'aimes bien. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, à me mettre un petit pouce en l'air et un petit commentaire si ça t'a plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss! Je me fatigue. Bye!